Hello, hello! La This Week in Destiny vient tout juste de sortir. Alors, parmi les news, on va essentiellement parler puissance dans cette vidéo et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer prochainement dans Destiny 2. Il y a des bonnes nouvelles et il y a aussi des choses qui vont sûrement vous faire rager. On découvre ça tout de suite ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Pour commencer, parlons niveau de puissance du raid. Il a été annoncé le Contest Mode, c'est-à-dire le raid en Day 1, les premières 48 heures de la sortie du raid, sera capé à 1965 de puissance. En clair, tous les affrontements seront à ce niveau. Monter au-delà de ce niveau de puissance ne servira donc à rien pour le Day 1. Ça, c'est la première grosse info. La deuxième news, on en parlait un petit peu depuis un certain temps déjà sur les réseaux sociaux. Le principe de l'ajustement de puissance en escouade va être implanté dans le jeu. En gros, le joueur avec le niveau de puissance le plus élevé de l'escouade deviendra ce qu'ils appellent le power leader. Il va amener toute l'escouade jusqu'à 5 niveaux de puissance en dessous de son niveau de puissance à lui. En gros, si bien sûr leur niveau de puissance n'est pas déjà plus élevé, eh bien vous allez pouvoir, si vous êtes power leader, amener le reste de votre escouade à un niveau plus élevé. Alors cette petite spécificité, elle sera valable pour les activités de haut niveau, comme par exemple la nuit noire, le raid et donc forcément le Day 1. D'où l'importance de quand même avoir dans votre escouade pour le Day 1 un joueur qui aurait eu le temps de bien farmer, car la puissance sera finalement capée sur son niveau de puissance à lui. Ici par exemple, Soyuz est le Power Leader, il est à 2000 de puissance. Et bien cela va augmenter le niveau de puissance de l'escouade à 1995. Il est donc perdant de 5 points, mais tous ses autres collègues qui eux étaient à 1950 vont être ajustés à 1995. En définitive, toute l'escouade sera à 1995 pour une activité de niveau de puissance 2005, alors qu'auparavant, deux joueurs seraient restés à 1950 et seul Soyuz finalement aurait pu être à l'aise avec ses 2000 de puissance. En clair, il sacrifie un peu de sa puissance pour avoir une équipe bien plus forte. Côté récompense, cependant, pour cet ajustement, la puissance de l'équipe n'affectera que la difficulté de l'activité et donc pas vos niveaux de puissance personnels. Et heureusement, sinon ce serait clairement abusé. En gros, vos loots seront ajustés à votre niveau réel et personnel de puissance. Alors, petite précision au passage quand même, histoire de vous motiver un peu, être un power leader, ça vous donnera surtout la possibilité d'avoir un bonus de qualité dans vos récompenses. L'autre grande nouveauté qui va être importée à l'occasion de la sortie de Final Shape, c'est le soft cap et en gros le grind de niveau de puissance personnel cette fois-ci. Habituellement, le soft cap était de 150 niveaux plus haut. Le soft cap, vous savez, c'est le niveau max que l'on peut atteindre, peu importe les activités qu'on fait. Il précède le niveau de puissance et le niveau de prestige qui, eux, par la suite, ne peuvent être obtenus, comme leur nom l'indique, qu'avec des jalons puissants et des jalons prestige. En gros, jusqu'ici, vous deviez attendre d'atteindre 150 niveaux de puissance de plus que votre niveau de démarrage dans l'extension pour être bloqué en niveau de puissance. Et donc, pour ne plus avoir finalement que les puissants et les prestiges à réaliser, pour pouvoir monter en niveau de puissance, ainsi que les activités de haut niveau. Et bien dans Final Shape, le soft cap sera ramené à 40 et non plus à 150. Vous allez donc monter en puissance beaucoup plus vite. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui n'ont pas le temps de jouer, mais c'est peut-être une moins bonne nouvelle pour les gens qui veulent que le contenu dure dans la durée, puisque finalement là vous allez monter beaucoup plus vite. Par exemple, dans Final Shape, on sait que le niveau maximum de l'extension sera de 2000. On sait que vous démarrerez l'extension en étant récompensé par un set d'armure complet qui sera à 1960 si vous faites la campagne en légendaire ou à 1940 si vous la finissez en mode normal. Et bien on sait également que le niveau de puissance de base, ce qu'ils appellent le power floor en anglais, sera donc le niveau de puissance au lancement de l'extension, c'est-à-dire 1900. Et bien finalement, pour atteindre le soft cap, il faudra prendre 40 niveaux de puissance uniquement, soit 1940 en clair. En finissant la campagne, même en mode normal, vous atteindrez déjà le soft cap, soit 1940. Partant de là, il ne vous restera donc en plus, finalement, qu'à finir et à attaquer directement les jalons. Donc en gros, pour atteindre le cap puissant, entre 1940 et 1990,
tous les jalons puissants et prestige ainsi que les activités haut niveau vous feront louter. Pour le niveau suivant, donc le cap prestige, ce qu'on appelle le pinnacle, soit entre 1990 et 2000, uniquement les jalons prestige et les activités de haut niveau vous feront louter. Et pour monter encore plus haut par la suite, là il n'y a rien qui change, il faudra monter l'artefact comme précédemment. Une autre grande nouveauté est introduite dans le jeu, c'est la puissance globale du compte. À partir de Final Shape, Bungie introduit la puissance à l'échelle des trois personnages. Concrètement, les récompenses d'équipement que vous gagnerez sur n'importe quel personnage seront capées sur le niveau de puissance de votre perso le plus élevé de votre compte. En clair, si vous augmentez par exemple la puissance de votre chasseur en premier, les récompenses d'équipement que vous gagnerez en passant sur votre arca ou votre titan par la suite seront proches du niveau de votre chasseur. En gros, cela va se caper sur votre personnage le plus élevé. Petit conseil au passage, du coup, commencez la campagne avec un autre personnage que celui que vous aurez envie de jouer pour le Day One. Parlons maintenant d'un autre aspect qui va changer, c'est la puissance des activités. À partir de Final Shape, les choses vont être divisées en deux catégories. Il y aura les activités sans puissance et les activités avec puissance. En gros, l'avant-garde, la nuit noire, les activités de saison, les rotations pour les missions exo, Osiris, les raids, les donjons, les activités de haut niveau, etc. Pour ces activités, il va y avoir 5 niveaux de puissance qui vont changer en termes de dénomination, mais pas tant que ça en termes de fonctionnement. On retrouvera donc le mode normal à 1945 de puissance, donc c'est pour l'avant-garde, les missions exo, raids, donjons, activités saisonnières par exemple. Ensuite, vous aurez le niveau avancé, qui était anciennement le mode héroïque, donc à 1995 de puissance pour les nuits noires par exemple. Par la suite, vous aurez le mode expert, anciennement le mode légende, qui lui sera à 2005 de puissance, donc à savoir les nuits noires, secteur oublié, mission exotique, activité de saison. Et enfin, les deux derniers niveaux que l'on connaît très bien, le niveau master, donc maître, à 2010, qui concerne nuits noires, secteur oublié, raid, donjon, et le niveau grand maître à 2020 pour les nuits noires. Autre précision de taille, pas des moindres auparavant, pour les joueurs qui étaient entre le soft cap et le cap des puissants, certaines activités comme les playlists rituelles vous donnaient parfois la possibilité d'obtenir une récompense de puissance plus 1. Et bien écoutez, à partir de Final Shape, pour tous les joueurs qui seront dans ce niveau, c'est-à-dire entre 1940 et 1990, donc presque toutes les activités, cette fois-ci pas uniquement les activités de playlist rituelle, vous donneront la possibilité d'espérer looter cette fameuse récompense de niveau plus 1. Encore une fois, une façon de monter en puissance beaucoup plus rapidement. Et on approche de la fin de cette vidéo avec une news très controversée. Accrochez-vous, c'est le retour des armes Sunset. Oui, vous l'avez bien entendu, toutes les armes Sunset ne vont plus l'être. Surprise ! Donc si comme la moitié des joueurs, voire plus, moi y compris, vous les avez supprimées, eh bien c'est ballot, parce qu'elles vont revenir et elles seront utilisables et elles seront remises à niveau pour Final Shape. Oui, ça fait mal, ça fait très très mal. Alors en lot de consolation, Bungie gentiment nous informe qu'ils vont réintroduire des sources et des moyens pour pouvoir les récupérer toutes, ou presque. Et si je vous invitais à réagir là-dessus en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous avez eu l'intelligence d'en garder quelques-unes. Moi en ce qui me concerne, je vous avoue que j'ai tout supprimé et du coup je le regrette amèrement. Et pour finir, quelques infos en vrac, donc l'arrivée du mode Panthéon avant la sortie de Final Shape, donc le 30 avril. On nous informe, mais ça je crois que vous le saviez déjà, qu'il y aura 4 boss au lancement du mode, et puis que le défi va tout simplement s'intensifier semaine après semaine, jusqu'à atteindre 8 boss d'affilée avant le lancement de Final Shape. Alors pour fêter ce lancement du mode Panthéon, deux équipes de créateurs de contenu anglophones vont s'affronter en live. Parmi eux, on retrouvera, je crois, Benny, Purchill, Sweet Cycle, Frostbolt, Aztec Cross, bref, vous les connaissez. Donc voilà, ce sera pour fêter la sortie de ce mode Panthéon. Il y aura également la semaine prochaine l'introduction du mode Hardware Supremacy, donc un mode en PVP, sans capacité,
dont les munitions seront à récupérer dans des caisses. Et enfin, autre info, la toute dernière bannière de fer va faire son retour le 30 avril, donc en même temps que le mode Panthéon, à savoir que ce sera la dernière avant le lancement de Final Shape. Donc s'il vous reste des activités, des armes à looter, que sais-je, eh bien ne ratez pas ce 30 avril pour la bannière de fer. Et enfin, dernière info, un événement cosplay Cosmodrome voit le jour. Il s'agit de mettre en compétition différents cosplayers du monde entier qui vont se confronter pour le fun et surtout pour le plaisir d'exposer au monde leurs superbes créations. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, je crois que ça aura lieu le 29 mai, si je ne m'abuse. C'est tout pour le tour en quelques minutes de toutes les news sur Destiny 2. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me faire part de votre avis sur tout ça. Je vous retrouve très prochainement, je l'espère, pour d'autres infos sur Destiny 2. Ciao, ciao !